Viens, Titi, viens, regarde, viens. Non, le gris, c'est autre chose, le gris qui avait tourné dans Pépé le Moko, non. Alors le gris, c'est... Roger le gris. C'est, oui, c'est celui qui a un visage un peu émacié. Avec des petits cheveux gris et blancs. Alors lui, il a été une des figures du cinéma des années 30, 40. Il était dans tous les films de Duvivier, dans les Pépé le Moko, dans plein de films. Et moi, je l'ai découvert comme ça. Et sa sœur, c'était une famille de religieux, parce qu'en fait, il était très croyant. Et toute sa famille, c'était soit des religieuses, soit des moines, soit des... Il était entièrement entouré de religieux. Et moi, je l'ai engagé d'un peu. Mais il avait un regard de fou. Et on s'est fâché. Quand j'ai fait le miraculé, il a considéré que j'avais trahi la religion, etc. Alors, il n'a plus jamais voulu tourner avec moi, en fait. Et on s'est fâché à ce moment-là. Mais on a tourné dans La Grande Lessive, il fait le père de Francis Blanche. Après, on a tourné dans Les Compagnons de Marguerite, il fait un juge. Après, il a tourné un peu dans beaucoup de films, Snob, dans beaucoup de films. Mais il a vécu âgé alors, parce que le Miraculé, c'est 86, non? Quelque chose comme ça. Ah oui, il était encore vivant en 86. Et il ne voulait plus tourner avec moi.